Salut tout le monde, c'est Multitouching, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, non pas pour un tutoriel de jailbreak ou un test d'application, mais pour une vidéo pour vous montrer un peu comment réparer une erreur assez fréquente sur les iPhone, les iPod Touch et les iPad. Alors après un jailbreak, il est possible que par exemple sur Red Snow, je vais vous montrer si je l'ai encore. Voilà, Red Snow, donc je vais sélectionner le firmware. Vous allez voir que, donc admettons je sélectionne mon iPod, ou ça c'est pour un iPod, c'est généralement pour un iPhone, et là il vous pose cette question, est-ce que c'est un nouveau modèle ou pas? Si on répond mal à cette question, notre iPhone se bloque, et en général il faut tout restaurer, et quelquefois l'iPhone n'est pas détecté par iTunes, ce qui fait qu'on se fait des petites frayeurs et que certaines personnes sont obligées de changer de téléphone alors que leur iPhone n'est pas complètement pété. Alors je parle de l'iPhone là, mais il est possible que ça arrive avec un autre appareil, hein. C'est pas exclusivement sur iPhone. Donc là je suis avec un iPhone 3GS, hein, et il est bloqué puisque j'ai sélectionné le mauvais modèle. Bon, bien sûr il a pas de batterie, mais il est bien bloqué. Donc je vais vous montrer comment faire. Et comme on peut le voir, il est bien branché, hein, le câble est bien relié, il est là, il est bien branché, et le câble est là-bas. Ok, et on voit que donc là j'ai ouvert iTunes et il n'est pas détecté par iTunes. Ok, donc comment est-ce qu'on va faire? Alors on va devoir, déjà donc notre iPhone là est éteint, et on va commencer par appuyer 2 secondes sur les, 10 secondes sur le bouton, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ensuite on relâche le bouton du haut, et on attend que notre iPhone soit détecté par iTunes. Alors là je l'ai mal fait, donc... si jamais ça ne marche pas, je vais couper la vidéo et la reprendre dès que j'aurai réussi à faire la manip. Parce que c'est vrai qu'avec la caméra, on a tendance à mal faire la manip, étant donné qu'il faut bien se concentrer pour ne pas... Voilà, et là on vient d'entendre le bruit de l'ordinateur qui vient de détecter notre iPhone. Donc voilà, là on va faire, alors je vous conseille, pour si vous avez déjà téléchargé le firmware, pour ne pas le re-télécharger, vous allez appuyer sur Shift. Alors Shift c'est quoi? C'est cette touche là, donc la touche que l'on voit là. Alors attendez, j'ai un peu dézoomé, voilà c'est cette touche là, donc avec la petite flèche du haut. Donc on va appuyer dessus, alors attendez, donc moi j'appuie dessus, en même temps il faut... Voilà, et là il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Il faudra que vous sélectionnez le firmware que vous avez déjà téléchargé. Alors faites bien attention, il faut que ce soit le firmware adapté à votre iPhone. Donc vous faites ouvrir, vous faites restaurer, et voilà, vous aurez un iPhone tout nouveau. Alors bien sûr, il faudra restaurer votre iPhone, ça c'est le grand désavantage. C'est pour ça que je vous encourage à faire souvent des mises à jour. Voilà, donc c'était Multitouching, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert ou à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur Twitter. Salut tout le monde !